Bonsoir, 7h30, bienvenue sous nous connecter. Je nous connais chaque jeudi soir, alors pas chaque jeudi soir, mais toujours à continuer de dire ça. C'est en fait, c'est chaque deux jeudis côté que nous gagnons émission nous connecter qui sont émissions qui menaient sous plateau à des professionnels haïtiens ou des sujets qui sont très intéressants pour la communauté haïtienne non, sous question bien-être. Alors nous couvrons bien-être mental, bien-être spirituel, nous également aller dans la question financière et nous toujours voulons mener des sujets qui pas toujours communs pour nous attendre dans des radios ou bien même sur des podcasts. Donc, à ce moment-là, justement, nous avons avec nous un invité très spécial. Nous avons profité de dire bonsoir. Donc, Dr. Rudolf Evervein, nous avons dit bonsoir bien rapide. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, et Béa, m'a tout dit bonsoir à tous. Bonsoir, et merci d'être là avec nous. Nous sommes très contents de gagner sur le plateau. Alors, justement, je nous connais, madame et Béa, avec moi, nous sommes deux coachs de vie qui décidaient ouais, comment nous sommes capables d'intéresser la communauté haïtienne avec des sujets qui, quand même, aident dans le développement personnel tout le monde. Et en général, nous commençons avec un petit exercice que Béa a toujours réalisé pour nous, qui sont des exercices qui permettent nous enraciner tête nous ou bien permettent nous mettre nous dans le dans in the mood, je veux dire. Donc, chérie, alors, je veux dire, Mooncap, si vous me connectez depuis le début, nous prenons une respiration, ça déjà. Mais je dis, nous parlons de respiration pour un petit cas différent. Ce sont des respirations que y aurait les orbites microcosmiques. Ce sont des respirations taoïstes qui pourraient mener, distribuer l'énergie, ça, dans tout corps, nous. Et en plus de ça, les gains pour but de calmer nous. Pour moun ki gen pile stress et nous connaissons Serge aussi n'a vive en pile stress dans pays ça. Donc c'est une respiration là nous ka fèl la recentrer nous, la rééquilibrer système énergétique nous, la calmer nous et son en plus de ça son respiration qui est très bon pour système immunitaire nous. Donc la renforcer système immunitaire nous parce que nous connaissons en plus dans nous stresser directement les défenses immunitaires nous yo baisser. Donc, type de méditation, ça va aider nous à rééquilibrer le système énergétique. Nous. Donc, là, nous sentons stress. Et nous, quand faire quelque chose côté nous, hier, et m'inviter nous vraiment à rentrer là-dedans. Alors, son respiration, là, nous allons faire. Et nous allons partager l'écran pour montrer nous schéma. OK. Là, nous allons. Nous allons commencer en bas de coccyx. Et là, nous allons commencer dans le coccyx. Nous allons inspirer et nous allons suivre le schéma ça pendant inspirer jusqu'à ce que nous arrivions dans le niveau bouche. Nous. Et là, nous arrivons dans le niveau bouche. Nous, là, ça, nous allons commencer à expirer. OK? Là, nous allons inspirer pour nous faire le premier temps. Nous allons contracter muscles sphincter et périnée vaginaux. OK? Nous allons contracter, l'on a inspiré. Et l'on a contracté, l'on a fait l'air. L'on a inspiré. Exactement. L'on a imaginé. Nous allons imaginer son petit boule de lumière qui a monté, qui a fait trajet ça. Et puis, l'on arrive là, nous allons expirer. Pour nous, l'autre petit bail important, nous allons commencer à faire l'exercice là. Nous pral pran lang nou pral fè lang nou manye palè nou kon sa pou nou kreye kontak sa. OK, donc m'invite nou mete nou dans position confortable. OK, et puis nous pral imagine nous pral contracter et inspirer. Jusqu'à ce que nous arrivions dans le niveau bouche nous et qu'on y a nous pral expirer et nous suivre le trajet qui descend devant nous, arriver jour dans le bassin. Nous. Et là, nous arrivons dans le bassin, nous pral contracter à nouveau et nous pral inspirer. Jusqu'à ce que nous arrivions dans le bouche nous et nous pral expirer. Songez qu'un bé contact langue nous sous palais nous. Nous allons inspirer profondément.
et nous pral expirer. A invité nous faire pour compte nous pendant une minute à propre rythme par nous. Et l'on a privé sous dernière expiration, nous ka reprenn souffle normal nous. Et m'vle nous kembye yeux nous fermer un petit moment. Et kounya mwen vle nous senti, visualiser, imaginer qui ça l'amour représenté pour nous, qui ça l'amour inconditionnel représenté. Nous ka gen une image au monde, un petit monde, nos parents nous, ou bien un côté qui générait bien-être, qui générait l'amour. Et mettez l'amour ça dans niveau cœur nous et bail l'amour ça une couleur et qu'on y amène nous irradier couleur l'amour ça dans toute cellule dans corps nous à inspirer profondément à expirer et qu'on y a nous pour voyer l'amour ça bay tout moun ki menm kote avèk nou. Imagine koulè l'amour sa ki ale ki pral atenn moun sa yo. Nou pral inspire profondément. Nou pral expire. E kounya nou pral voye bèl koulè l'amour sa. Nou pral imagine tout katye kote nou ye a illumine de bèl koulè l'amour sa. L'amour inconditionnel, l'amour divin sa. N'a inspiré profondément, n'a expiré et n'a imaginé belle couleur l'amour ça qui pral illuminer pays côté nous hier. N'a inspiré profondément, n'a expiré et nous pral imaginer kounya que l'amour ça pral illuminer toute Haïti, imaginer Haïti tout l'humain en couleur l'amour ça. Et n'a pas une intention spéciale pour Haïti à soi. N'a demandé que flamme l'amour relume dans le cœur tout Haïtien. Ici, tout l'autre bord de l'eau. Il n'a pas imaginé que Haïti, tout être vivant en Haïti, rejoindre contact l'amour divin ça rejoindre contact l'amour ça qui a permettre yo grandir qui a permettre yo aller de l'avant qui a permettre yo agir avec l'amour nous pas inspirer profondément n'a pas expirer et n'a pas imaginer l'amour ça qui va envahir la République dominicaine tout qu'il y en a près île d'Haïti qui a vibré à belle couleur l'amour ça n'a pas inspirer profondément n'a pas expiré et n'a pas imaginé l'amour ça qui a traversé les océans qui pral l'humain toutes les Antilles toute l'Amérique du Sud toute l'Amérique du Nord tous les océans tout continent Europe Asie Afrique n'a pas imaginé planète là qui a vibré à belle couleur l'amour ça n'a pas inspiré profondément n'a pas expiré. Et kounya nou ka gen intention spéciale pour moun nou konnen ki bezwen ou prière, ki bezwen attention spéciale pou tèt nou, li ka pou tèt nou. Y n'ap kenbe intention sa nan kèn nou. Nou pa inspire profondément encore. N'ap expire. Et n'a senti tout corps nous détendre d'une belle vibration l'amour ça. À quatre, nous calons les yeux nous pral senti nous bien dans peau nous bien dans corps nous bien dans tête nous bien dans l'âme nous. N'a senti nous parer belle émission ça. Un,
deux, trois, à quatre, nous prenons l'ouvrir les yeux, nous. N'a parlé pour belle émission, ça, et quatre, ouvrir les yeux, nous, nous capables. Merci. Merci. Wow. Une bonne méditation, là, hein? Surtout, nous avons dit, petit gars pour avec Haïti, je pense que moi-même, je sais imaginer tout le monde avec une flamme dans le climat là, donc toute population est humaine. Donc, je crois que c'est juste si nous vraiment besoin de ça ici. Hein? Et puis, bon, et avec voisins, nous, à côté à tout, il est très important pour que nous soyons capables de comprendre que nous sommes une seule île et que tout le monde dans le monde, tout, nous sommes un seul monde, ouais, qui gens que nous avons un problème de migration à travers le monde. Donc, je crois que l'amour, c'est ça qui a manqué là aujourd'hui. Donc, c'est un très bon début pour émission à Soya, quand nous allons parler de bien-être. Donc, nous avons avec nous là à Soya, Dr. Rudolf Ebervein. Donc, ça va bien? Ah, après méditation, ça a mon forme net. Et Béa, merci beaucoup. Allons, belle méditation. Tellement content que moi, que et nous connaissons pas ce moment difficile, qu'on y a, hein? Mais pour moi, c'est toujours comme ça. Il faut qu'on passe un moment difficile et puis pour avoir une renaissance. Et commencer une renaissance spirituelle qu'a fait et mourir meilleur de leader qu'en cou nous qu'a mené porter ça pour tout le monde. Donc encore compliment Béa. Merci. Très content. Bon bagay. Alors nous pouvons profiter pour nous présenter pour monde qui pas connaît docteur Rudolf Ebervein. C'est docteur Rudolf Ebervein qui fait études universitaires dans l'université UF en Floride côté il te prend un diplôme en sciences de la nutrition et dans alimentaire. Ensuite, il a continué dans UM, Université of Miami, côté que il a pris un diplôme en médecine en 1998. Et il a ensuite fait internat et résidence dans médecine interne en 2001 dans Jackson Memorial Hospital. Donc, Dr. Ebervein a pris également une certification comme médecin interniste en 2001. Et c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière médicale dans plusieurs grands hôpitaux en Virginie et Miami également. Ils ont une grande expérience dans la question service d'urgence parce que ils étaient dans la question soins intensifs pendant longtemps et également ils étaient fait section service généraux, soins de médecine générale. Alors, donc travail ça qui était très exigeant à l'époque, t'es venu permettre lui gagner une perspicacité, un paquet de compétences pour apprendre comment pour lui aider patients dans un moment qui est plus difficile pour y passer dans la vie. En 2005, il était fondé A New You, Physicians Weight Loss and Rejuvenation Center, un centre de perte de poids et de rajeunissement. Donc, avec Madame Nikesha, et là, il aidait un pile de patients, des milliers de patients, pour y avoir une meilleure santé et pour y être capable de prévenir un pile de maladies chroniques grâce à l'utilisation en plus bon nutrition et des changements de comportement et des questions de remplacement d'hormones. Vin prend après ça une certification de conseil AMMG en médecine de gestion de l'âge et donc pour gérer question et l'âge monde et comment que y a vieilli. Donc, il est un expert de question thérapie, remplacement de testostérone pour garçons. Dr. Ebervein, c'est copropriétaire et médecin, directeur de Medical Health Institute, qui est un organisme et important dans la question optimisation hormonale et pour question l'âge dans Miami, qui sont une clinique de gestion qui gérait et transformait la vie des milliers de garçons dans la Floride. Donc, il continue à pratiquer médecine interne et question comme médecin interniste et lycée directeur médical de un centre de soins infirmiers dans la région Miami et lui aussi médecin traitant dans une clinique de santé amérindienne. Donc, Dr. Woody, j'aimerais bien que vous le lisez, OK? Ils sont des gens qui aiment la vie, son père de famille, qui aiment passer le temps avec famille et qui voyage en pile avec Madame Ni, avec deux petites filles qui sont deux jumelles qui, je dirais, ont 14 ans. Donc, m'espérer. Donc, nous pas oublier. Est-ce que si quoi que ce soit oublié d'ajouter, n'a pas quitté ajouter là parce que au monde qui a un background de ce genre, vraiment, il est important pour communauté qu'on est avec qui est sur un affaire. Mon cher, quelle belle introduction. Merci en pile. Mais n'oublions bagaille. Il était commencé Saint-Louis de Gonzague,
Ensuite, première année école de médecine PCB en Haïti, côté yoté bleu en Haïti. Donc, vim, passion, commencement, c'est haïtien, c'est en Haïti que natif natal. Natif natal, chéri. Et m'a dit ça tout côté malé. Je dis, quand accent ça a sauté, il dit haïtien natif natal, chéri. Ben voilà, voilà. Et bien, c'est justement ça qui nous connecte, c'est que nous essayons de joindre des haïtiens qui à travers le monde et qui sont capables de mener compétences sur le plateau pour venir parler nous des sujets que peut-être dans d'autres circonstances, nous n'avons pas nécessairement entendu parler de eux. Donc, au sujet à soi, on va dire que en Haïti, pas quoi pour l'instant, on a parlé de problème testostérone qui semblait abaisser à travers le monde depuis quand même quelques, d'après ça me comprend, quelques années, quelques générations peut-être. Côté que a remarqué que population mondiale là semblait liguer un problème de baisse de taux de testostérone. Expliquons un petit peu réalité ça. Est-ce que peut-être vous avez quelques informations qu'à partager avec nous sur ce qui a passé dans le monde qui fait que je dis, hein, c'est carrément bagaille que carrément la médecine oblige à prendre des mesures contre ça. Donc, parlez-nous un petit peu de ça. Très bien. Donc, premièrement, je voulais commencer par le commencement pour m'expliquer public là par la base qui sa testostérone. Yeah. Parce qu'en pile, moun le autant de testostérone, yo pense que son hormone stéroïde, que en pile nan vraiment moun ki nan en bodybuilding, ki besoin gen gros bibit, gen mus, c'est ça que yo utilisé. Testostérone lan son substance chimique qui produit par de bon premièrement c'est qui ça qui est un hormone. Un hormone son substance chimique qui produit dans glande nan corps, qui produit un côté et puis qui circule dans sang et cal non l'autre côté nan corps et puis qui vient exercer une fonction clinique. Moi le banon de trois exemples de hormone. Par exemple insuline, c'est une hormone sécrété par pancréas, l'aller dans le muscle, et puis si c'est lui qui est d'eau, utiliser sucre. Et glande thyroïde, c'est lui qui forme hormone thyroïde, cal dans tout corps, qui aide avec métabolisme, avec un pile d'autres fonctions. Testostérone, c'est une hormone qui est plus important pour garçons et pour filles, mais surtout pour garçons, parce que c'est testostérone qui décide qui ça un fœtus à binim. Par contre, si nous comptons ça, mais un fœtus, donc un embryo, un petit bébé fait, l'est fait commencer, lycée femelle, jusqu'à ce que à un certain moment, on pousse de testostérone à peu près à la troisième semaine, et puis qui vient faire différence que ce fœtus vient tourner un fœtus masculin, XY. Wow. Donc c'est pour nous montrer nous que testostérone a un impact extraordinaire pour toute bagaille garçon. Donc on y a le testostérone là, n'a bien fils seulement, nous garder les femmes. C'est que doit pas un mauvais bagage pour garçon, doit pas un mauvais bagage. Donc qu'on y a les petits garçons ça a fait testostérone était normal jusqu'à ce que là le passer dans puberté. Puberté à l'âge de 10 ou 12 ans vin gon l'autre poussée de testostérone qu'on y a qui vient former toutes caractéristiques secondaires qui fait un garçon. Donc okay. C'est là ça qu'on vient gagner testostérone vient pousser et qu'on vient gagner barbe ou vient gagner plus mus et celui qui est même qui vient faire déterminer et les génitaux externes donc même uh-huh. Même grosseur et bagaille garçon hein, même qui va fonctionner. C'est important pour me dire ça parce que nous parlons pas de toxines qui attaquent les testostérone et qui ça que le produit. Donc là on est connu en puberté, on a un nouveau poussé de testostérone ça qui vient voir toutes caractéristiques secondaires de un garçon. On est de l'âge de 12 ans à 20 ans, 25 ans et Gilbert Basson, j'ai sous son j'ai l'anecdote jeune, la testostérone nous t'est au frère. Ah, c'est pas blanc. Mais en nous faisons pile bêtise tout époque ça avec testostérone oui, qui était au tout. Mais c'est ça, yo du testostérone là non, teenager, c'est lui qui fait prend un pile risk taker et prend un pile risque, fait de série de bagages, mais c'est ça qui pousse l'humanité à vraiment à pousser tête lui. Donc c'est testostérone là regardez qui fait les gars de bon côté et de mauvais côté, me connais nous pour parler de ça en pile la soirée. Comme toute bagaille, c'est le yin et le yang. Gain la clarté et l'obscurité, tout bagaille gon bon côté gon mauvais côté. Donc moi exposer tout ça.
Donc, quand il y a un jeune garçon ça vient faire ou pousser pendant la puberté, la testostérone était plus ou moins égale jusqu'à peu près l'âge de 30 ans. Et à partir de 30 ans, il commence à descendre jusqu'à ce qu'on arrive dans l'âge 60-70 ans, quand on a son petit grand monde de testostérone, sans que ce qu'on voulait faire, c'est chita, regarde la télévision. On nous dit 80-90 ans, plutôt. Mais l'on a regardé, grand-père, arrière-grand-père, et tout ancêtre, nous, époque ça, testostérone, là, il est prouvé par beaucoup d'études que vous faites. Vous faites une dernière étude, c'est son étude que est de Baltimore Longitudinal Aging Study. Donc, son étude qui a été faite dans la zone Baltimore dans les États-Unis. Ils suivent presque 1800 garçons pendant 15 ans. Et ils ont gardé que pendant ce temps, la testostérone descend plus de 25%. Donc, ça se bagaille en 15 ans. Donc, c'est à peu près 1,2% qui est beaucoup plus que ça que était qu'on avait avant. Encore pire. Qui tranche d'âge? Pardon? Qui tranche d'âge? Oui, donc tu es gardé de toute l'âge, à partir de 30 ans jusqu'à 65 ans. Okay. Donc, mais à partir de 30 ans, nous connaissons que cela ça a commencé à descendre. Et dans même étude, ça, il y a des messieurs qui ont à peu près 45 et 50 ans, et ils ont comparé avec de niveau testostérone que tu as fait il y a 30 ans de ça, ils ont réussi à faire ça. Ils ont vu que tout testostérone, même nègre qui a entre 45 et 50 ans, comparé à 30 ans de ça, ils descendent de plus de 56%. Oh! Wow! Donc, ça veut dire que malheureusement, nous venons joindre dans une situation côté testostérone là, très important, mais nous venons voir que testostérone là descend avec une rapidité extraordinaire. Donc, quand il y a une plus grosse question que tout docteur, scientiste, tout le monde a parlé de ça, il a dit pour qui ça, ça a privé? Parce que ça, c'est une adaptation évolutionnaire que testostérone là obligé de descendre. Ça veut dire les un bagage qui cause que testostérone nous descend l'homme marié l'homme vient gain petite et son adaptation évolutionnaire qui normal parce que imagine les qu'on vient marié au petit monde si testostérone nous t'arrêté comme ça pas t'a gain mariage pas t'a gain petit monde dans là oui seulement donc ça c'est un baissé normal de testostérone. Okay. Ça nous vient remarquer vient gon baissé abnormal de testostérone que kounyan li vient rivé dans certain niveau que Kounian li vin créer de problèmes kay garçon. OK. Donc Kounian qui t'aime dit nous qui problème et encore tout ça m'a dit là. Alors c'est ça me dé besoin mando justement parce que d'après ça me détendait et peut-être ou capable de confirmer ou bien infirmer là que nous garder enfin d'après ça me détendait baisse qui gagne qui international ça veut dire global li causé baisse de capacité de reproduction nous c'est à dire spermatozoïde taux de spermatozoïde dans sperme garçon yo parlé également que remarqué on baisse de size de engin garçon de cap vini de génération en génération et bon par contre qui l'autre symptôme qui gagne donc c'est ça me dit mais premièrement on dit est-ce que c'est vrai que taux de spermatozoïde là baissé au point que mon a dit que peut-être que dans quelques années reproduction bien doit venir un problème reproduction naturelle mais est-ce que c'est dans tout pays ou bien est-ce que c'est dans certaines zones particulières bon c'est un problème global et les m'a parlé avec deux trois amis en Haïti les m'a parlé avec deux trois collègues mais en Afrique dans d'autres pays mon dieu ah mon cher nous même nous pas de problème ça parce que gain de monde en Haïti nèg yo gain 10 petites yo gain 15 petites nèg yo a voyer monter dehors que ça son problème de du premier monde qu'on voit seulement en Europe et aux États-Unis c'est pas vrai du tout ça veut dire que c'est vrai que nous désolé c'est recording là qui dérape désolé c'est pas vrai du tout c'est nous toujours gain un bon nèg ça qui gain de série de un taux de testostérone naturel très élevé. Très élevé. Mais nous avons à peu près entre 30 et 40% de garçons que nous avons gardés qui viennent avoir testostérone qui a baissé sévèrement et qui viennent causer un pile de problèmes. Donc, ça, qu'on dit, est très, très, très vrai. Et il y a un livre qui est extraordinaire, lire les Countdown. Et c'est un PhD qui fait le docteur Shana Swan. En contrairement, en contact avec docteur Shana Swan, nous avons deux études que nous pouvons faire pour nous garder qui genre environnement a causé de ça. Donc docteur Shana Swan et livre ça Countdown c'est spécifiquement l'a regardé effet de environnement de toxines de l'environnement sur et la fertilité. Donc yo vinn ouais il prouvé gain gros étude qui montre
que le taux de fertilité a descendu à plus de 50%. Et s'il continue comme ça d'ici les années 2045, que taux de fertilité a presque à zéro. Oh. Et en suivant bagaille, IVF, in vitro fertilization, nous connaissons que comment c'est gagné en Haïti. Aux États-Unis, on y en sait, il y a un plus gros business. Nous avons un problème de fertilité, mais problème de fertilité, ça a l'issue, il y a documenté, mais côté que le vini, fertilité, à qui ça bon fertilité, qui ça fait sperme? C'est testostérone. Testostérone. Donc, testostérone, là, vient causer problème de fertilité, ça. Nous parler de l'île, reconnaître, mais l'autre symptôme testostérone, c'est des symptômes qui, très fort, fois, assez difficile pour reconnaître. Ça veut dire que vous avez une série de nègres, vous avez gardé et. Négoté très bien en vingtaine, très bien en trentaine, bien que je commence à avoir pile patient qui est en trentaine qui commence à relever, mais quarantaine, cinquantaine. Et puis, on a dit, mon cher, par contre, ça me fatigue, je n'ai pas d'énergie. Regardez, je me sens que comme si rien n'a pas fait me plaisir encore. Dépression. Et que le nègre, ce n'est pas juste dépression, non? Il a juste dit, mon cher, quel que soit, je n'ai pas. Et physique, il a changé. Vente, ça a l'eau. Adipose et visceral fat, adipose viscéral. Uh-huh. Donc, fat qui en dedans, qui dans tout ça, ça sont bagaille qui très relié avec testostérone LBCA. Donc, ou abgadou nèg, li fatigué, monsieur pas senti le bien, li pas gen même enthousiasme de vie, même zeste de vie. Pour sûr, ça veut dire que peut-être et santé sexuelle li pas même et en pile nèg kon di m ça yo di mon cher moi même bagay la campé bien toujours pa gen l'autre testostérone c'est pas ça seulement que lié c'est désir sexuel libido et engouement sexuel exact. et Jean Cohen enjoy la vie sexuelle dans toute bagay ça au de li mais ça qui est important sorti qui t'aime liste et symptômes qu'on doit avoir l'autre testostérone c'est low énergie et mood l'en descend donc on ti gentil dépression on doit pas enjoy vie à même gens grossi ou pas qu'à maigrir, surtout dans zone ventre là, ça aurait les brain fog, que esprit ou non état brumeux, ou pas qu'à réfléchir, ou pas aussi intelligent, ou pas même gros, ou pas même gens. Donc, qui ça que nous relè ça? Ou à grand monde? C'est ou à grand monde dans salier, c'est tout ce qu'on nous baisse, oui. Donc, okay. Ça veut dire que parents nous et grands-parents, te qu'on gagne ça à 70, 80 ans, ou ensuite, ou vine ou à 60 ans, ou à 50 ans, 30% de clients ont 35 ans ou moins. Wow. Et ce n'est pas seulement aux États-Unis. Ils font études en Finlande, en Finlande, au Danemark, en pile dans le pays européen. Et pour qui ça que vous avez ça dans le pays? Ça, parce que vous faites études pour ça. En Afrique, bah, ça a fait à commencer. Et vous pouvez même bagaille, c'est à peu près entre 20 et 30% de nègres moins de 40 ans qui ont ça. Et en pile dans nègres dans la quarantaine, ça aurait les midlife crisis. Quand on est dans la quarantaine, cinquantaine, en pile dans le nègre, pas senti yon vent, yon yote et yon vent, ça vient créer une insécurité interne que en pile de fois, nègre la pas contre qui j'en pour le deal avec ça. Et puis, les vignes j'en peut-être plus agressif, plus irritable, plus moins content avec la vie, mais moins de connexion spirituelle. Donc, testostérone, là, c'est pour monter physique, c'est pour la santé physique. Santé sexuelle, santé mentale, santé émotionnelle et même santé spirituelle. Oui. Parce que si on ne peut pas sentir bien, on est connecté. Pas connecté. That's it. Donc, très bien. Très, très bien. Alors, c'est justement, je te voulais en mise en contexte parce que je crois que, et à moins que on monte pour une raison pour l'autre, l'éotique qu'il faut qu'on ait sa capacité dans. Au niveau de BSR dans le monde, ou bien doit pas au courant, tu vois. Et je crois que pour moi-même, c'est un choc. Je crois que c'est peut-être un an de ça ou bien deux ans de ça. C'était un headline de l'ICTA assez surprenant que tu as parlé justement de questions que soi-disant, un jeune garçon a baissé de ça et que, mais qui raison, et que dans combien d'années, ou bien doit avoir un problème de reproduction naturelle, etc. Je me dis, oh, mais son bagage, vraiment, n'importe qui, mon jeudi, qui prend algon petit garçon, faut commencer à réfléchir ou bien qui fait bon petit gars faut commencer à réfléchir que action testostérone maintenant il y a un bagage qui est intéressant c'est que n'a pas là aujourd'hui de toxines qui peut être à la base de ça et il y a quelques semaines de ça nous t'ai interviewé un monde qui t'a justement parlé de
question de toxines environnementales, qui t'a parlé de toxines qui viennent à manger nous, d'un produit n'a pas utilisé sous peau nous, toute qualité bagay, et qui t'a expliqué qui j'en que baye ça à la base de un pile d'un maladie dégénérative. Mais qu'on y a là, n'a parlé de hormones, de production d'hormones qui a baissé. M'kon y a des moun qui souffrent de problèmes thyroïdes que vin lié à des questions de toxines. Donc, c'est un sujet qui quand même vraiment est très, très important là aujourd'hui. Hein? Donc, ça que m'ta remè, que, enfin, premièrement, yon une question m'te besoin m'en d'obtenir rapport directement avec vous-même, c'est qui ça que fait vous-même ou vin intéressé à sujet ça au point que, quand même, ça fait, ou t'es quand même très en avance, m'ta dit, que t'es rentré dans spécialisation ça. Qui ça qui t'es motivé ou qui t'es déclenché justement intéressant? Donc très bien, sont très belles questions parce que malheureusement jusqu'à présent en pile dans collègue moi au médecin yo l'aime parler de ça, yo toujours pensé que testostérone yo gain ça relé old school thinking que testostérone descend seulement lors gain 60 70 80 ans et que testostérone cabo cancer, nous pas vinn tout ça. Donc j'ont t'a expliqué l'aime fait commencer carrière mais mal travail l'hôpital. M'ta fait ça relé acute medicine. Donc côté que m'a joindre moun qui gain et problème cœur, problème pneumonie, diabète qui pas contrôlé, infection dans salle urgence avec dans salle intensive care, les soins intensifs. Donc ça, nous te joué une jeune patient déjà l'elle pas bon. Bien mais bien. Même parce que justement l'aime dans l'University of Florida, qui ça qui University of Florida qui I'm a Gators. qui ça que dans l'DL, c'est que m'étais venu étudier nutrition. Donc, je suis toujours très penché sur la médecine préventive. Et pas que ça ne fait pas médecine préventive. Là, ça a son bagage rivaux qui j'aime pour aider. Donc, heureusement, pendant que je fais travail, ça m'a ouvert avec madame qui était dans le même média avec moi, qui sont nutritionnistes. Nous venons ouvrir une clinique de nutrition pour aider les gens à perdre du poids, pour aider les gens à manger mieux et pour essayer de prévenir, me dire ça. Là, je travaille à l'hôpital, je dis, mon cher, sous-wem, c'est que je pas bon. Bah, déjà arrivé dans ce cas déjà pas bon. Donc heureusement, je viens faire transition côté me passer à médecine des soins intensifs à la médecine préventive. Très donc commencer avec nutrition, me faire nutrition, j'en dis comme et behavior modification, donc modification du comportement. Le comportement. Parle en pile avec mindset qui j'en pour aider tête ou et sa façon de penser. Passer donc différemment. Nutrition, exercice avec comportement. Avec ça, on m'aide en pile monde. Mais quand il y a un pile de monde, malgré que je fais trois ça, ils arrivent à un côté, je ne peux pas aller plus loin avec. Et puis ils disent, doc, vous ne pouvez pas comprendre, non? Je mange bien, je fais tout ça que je fais, mais je colle, je ne peux pas perdre plus de poids, garder le ventre, je me sens fatigué, je bagaille. Donc c'est là que je viens quand il y a à apprendre hormones, influence de hormones sur le métabolisme et sur la santé générale. Je ne peux pas apprendre ça en école de médecine du tout. C'est bon bagage. Wow. Jusqu'à présent, ils n'ont pas montré nous. Donc, wow. C'est là que j'ai en pile conférence, j'ai en pile livre. Donc, je viens de l'autre certification. Donc, ça aurait les Age Management Medicine. Ce n'est pas juste médecine pour vieillir, parce que je fais en pile gériatrie, qui c'est médecine de vieillir. Ça, c'est juste médecine qui pour aider au et Age Management, donc qui pour aider l'âge à rentrer sous vous, mais pas vieillir. Bien vieillir. Mais pas me parler même vieillir là parce que vieillir dans notre tête nous gagne on est 50 ans 60 ans age management ça il commence depuis l'âge de 20 25 30 ans j'en dis on était 60 on commence descendre à 30 ans lorsque 20 ans ou ça personne pas 10 hommes Superman ou ça 10 hommes mais de pour commencer gain 30 ans commence senti toute bagaille commence à affecter différemment. Donc c'est depuis le ça que pour commencer à changer nutrition, pour commencer à veiller sur ap manger, sur ap mettre sous ou qui ça qu'on va exposer tête toi. Donc quand on vient ajouter l'autre dimension de hormones ça et puis on vient réussir aider en pile plus l'autre monde. Mais plus pendant année on a développé, ça fait 13 ans que m'a fait ça. Et puis m'après plus mon a bien joindre plus jeune mon a bien joindre même. Je dis mes amis, gros problème, ça problème là, côté bagaille la sorti. Et puis c'est là ça me vient lire livre countdown là, me vient lire en pile livre. Et puis me vient ouais que vraiment c'est pas juste, c'est sûr que diète nous pas bon. Tout manger fast food que n'a manger pas bon. Nous pas dormir assez, stress a tuer nous. Gain tout bagaille ça, tout monde comme ça. Mais plus gros problème que nous gain, plus gros crise que nous gain dans le monde qu'on y a. C'est toxine ça.
Moi, je ne suis pas là avec mon invité déjà, donc je vais parler un petit moment de toxine là, oui, parce que ma poto angle médical, on dit j'en plus. Yeah. Donc, toxine, ça, il y a les endocrine disrupting chemicals. Par contre, je vais dire ça en créole. Donc, c'est des produits chimiques qui font qui dérangent pour système endocrinologue. L'autre qui dérange, et plus gros gland, plus gros hormone que le dérange, c'est hormone testostérone et estrogène. Parce que côté toxine, ça a sorti. Plastique. Gardez en Haïti, l'on a marché tout côté. Ou est plastique tout côté. Est-ce qu'on connaît que c'est à peu près 1 million de bouteilles d'eau qui consommées par jour dans le monde et 90% de ça n'est pas recyclé? Bouteille, ça, elle est là, elle est comme ça. Elle n'est pas juste comme ça, non? Quand elle vient en microplastique, par contre, ça, microplastique, là, microplastique, là, c'est quand elle est fait avec une substance sur les BPA, bisphénol A. Ça, il y a la même structure avec l'estrogène. Donc, les cognés, l'estrogène, ça a cognés poisson manger et toute bête manger. Et puis, nous même nous boulons dans l'eau, les vignes, et puis les vignes encore, les vignes agissent quand c'est l'estrogène. C'est pour ça, par exemple, pour mesdames, qui problème les bails, mesdames, ou par un paquet de petits mouns cognés depuis l'âge de 8 ans, ou mesdames, vous êtes fait été, ou y a fait règle, y a formé l'estrogène. Et fibroïdes, et comment on dit ça en créole, les fibroïdes. Fibrome, c'est ça qui cause ça en pile. Endométriose, et problème infertilité, problème cancer de sein, de prostate, de l'utérus, tout bagaille ça a un rapport avec poussée de estrogène ça qui vient trop haut. Ça lui fait pour garçon lui-même, là on prend estrogène là vient, parce que pas oublier que hormone li circule avec des li quand cou qui j'aime pas expliquer là c'est comme un thermostat de on et air conditionné. Mais on mettait le disons à 78 après, donc li très proche. Donc si qu'on y on vient exposer mon là avec un peu l'estrogène, ça veut dire que fait trois il vient faire trois chaud trois frais li déclencher. Et qu'on y li vient quand qu'on bagaille que c'est comme sur lumière. Donc habituellement, qui j'en quand nous marchons avec hormones, c'est un switch qui on and off. Uh-huh. Donc l'humain l'éteint, Ça dépend de qui j'en, qui quantité est estrogène. Lorsqu'il est exposé à toute toxine ça, liquide lumière on tout temps. Donc au lieu que quand vous thermostat là, à conditionner l'humain ou éteint, il était on tout temps. Et puis la produit hormone. La produit hormone. Wow. Donc mes problèmes là. Donc ça veut dire bon bord de trois chiffres capturés. Bon c'est pas seulement plastique et herbicides, pesticides. Pesticides à manger. Oh, oui. C'est pour ça. Gen du monde qui dit ah mon cher faut manger organique. Gen du monde qui dit que y a pas quoi dans ça. Li très important. Gen une pesticide le plus important. Lire les atrazines. Et en contrairement faire de séries de recherche avant que me vienne ici hein, pour me garder est-ce que y a utilisé en Haïti. Y a utilisé en Haïti. Atrazine, c'est un pesticide qui est estrogénique. Ça veut dire que l'hygiène exactement même genre plastique, la même fonction que l'estrogène. Il produit aux États-Unis 80 millions de livres de atrazine par an pour flitter tout côté. En Europe, bagaille tellement balle, l'Union européenne, il y a ben li, ou pas qu'à utiliser. Mais en Afrique, dans les Caraïbes et aux États-Unis, jusqu'à présent, il y a pu utiliser. Donc ça veut dire en Haïti, oubliez nous même là, on mange de série de manger qui saute en pleine. Regardez et légumes, belles fruits, belles. Yo pas parfait, non? Oui. Yo pas parfait. Yo gen goût. Yo gen goût. C'est bon bah, yo époque ça, c'était bagaille qui était très organique, bio. J'ai dit là en français hein. Mais kounye même en Haïti, tout ça que yo pas utilisé dans pays ici, yo voyé en Haïti parce que yo bon marché. Donc le vraiment bagaille ça a aidé. Il y a des productions à monter, mais à quel prix? Donc, moi-même, maintenant, je vais vous dire, nous, connaissons le monde a fait une étude que y a mis un paquet de produits chimiques dans la vie. Nous ne savons pas qui ça a fait. Donc, et puis, c'est connaissons comment c'est les conséquences. Donc, Jean, premier invité, on l'a dit,
Ça, ce n'est pas seulement un problème testostérone avec infertilité. Moi-même, je suis concentré sur ça parce que ça, c'est spécialité. Mais il cause dépression et hyperactivité, ADHD, qu'on va dire. Ce n'est pas seul bagaille qui cause, mais la science montre que ils sont gros facteurs. Dépression, ADHD, cancer, surtout cancer hormonal, quand on procède du sein, cancer de prostate, cancer de l'utérus, il cause dépression. Ou pas tout problème que nous avons, mais nous toujours dit que c'est stress. Regardez, ancêtres, nous avons plus stress que nous. Si tu as un problème, ça, les nègres ont goûté pour prendre l'indépendance. Tout le monde a bien le testostérone. Si c'était stress qui a tué nous, il y a l'autre bagaille qui a causé ça. Très bien. Parce que ça, nous avons besoin de parler de pour qui ça, ça a privé. Nous avons raison pour ça. Tandis qu'avant ça, nous avons juste dit, ah, mon cher, nous croyons qu'il y a descendu. Nous n'avons pas su pour qui ça. Nous comptons pour qui ça. Et par contre, ça qui est encore plus triste et pour moi, qui outil j'en fais comme vraiment peur. C'est pour ça que je te parle de fœtus. Donc, l'on fœtus à le premier trimestre, il est très sensible aux toxines de l'environnement. Extérieur. Donc, quand il y a l'on fœtus à l'âge, ça, que vous venez exposer à bande de produits chimiques, ça, il y aurait l'eau. Testicular dysgenesis, qui c'est une malformation testiculaire, et ça c'est pour les hommes, que les bagailles, donc si vous l'en faites, ou pas qu'on a, si vous l'en faites, ou quand elle gagne 10 doigts, 10 doigts, vous dites oui, merci mon Dieu, si vous l'en faites. Mais nous pas qu'on a que l'été exposé à bagailles ça, 10 ans plus tard, nous avons des cas de cancer de testicule qui a augmenté sérieusement. Wow. Ça veut dire que les testicules n'ont pas descendu. Pas descendu, obligé de faire opération. Et puis ensuite, infertilité, le testostérone et tout bagaille ça. Et ça arrive pour mesdames et tout. Mon petit j'ai concentré sur garçon parce que j'aime bien ça comme fait. Donc, mais ça pi enragé. Toxine vient produit qu'on y a un changement génétique, épigénétique, côté le changer DNA. Donc, qu'on y a non seulement Timoun l'envie de gagner, la passer à l'autre génération. Wow. Donc, alors, ça, justement. Entendez ça. Son bagage qui est effrayant, côté n'a pied dans 50 ans, 60 ans, avec millions de livres de toxines que bonne groupe et industrie pétrolière se a plagué dans le monde de tous côtés, côté nous pour aller. Exact. Parce que ça fait la mauvaise nouvelle. Ah non, mais c'est justement, parce que pour supporter ce Abdien, justement, tu avais expliqué que Kounian là, gain par exemple des crèmes pour le corps qui gagnent des particules nano là-dedans pour faire le pis smooth. Mais particules nano ça yo tellement petit que yo permet que peau capable recevoir des bagages tant coup mercure des bagages que le pas ta supposé des métaux lourds justement que corps pas supposé capable gérer foi ou pas gérer et c'est des bagages qui justement capable entrer à travers peau que c'est à travers maquillage à travers crème pour le corps et ça c'est sans côté bagage manger donc c'est vraiment à tous les niveaux que jodien l'industrie a de manière, enfin, je suppose que c'est pour être capable de produire plus et pour être capable de durer plus longtemps, il a introduit tellement d'éléments chimiques là-dedans que aujourd'hui, on a besoin de conséquences de l'industrialisation qui a été faite il y a 20, 30, 40 ans. Après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et une autre chose à dire, à l'époque, ça s'appelle le clame, et puis il y a living with chemistry. Donc, mais on vit avec chimie. Mais pas de mentir dans ça. Plastique l'en fait vivre mieux. Moi-même, chaque fois, je vais éviter le plastique dans la vie. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et produits chimiques, là, il y a des bons bagages nano, ça, paraben, talet. Les bagages, ça, ils font des bagages beaucoup mieux. Je vais faire un petit bagage très rapide. Il y a un côté plus exposé à la toxine, ça, c'est par la peau, justement. Parce que la peau, c'est l'organe le plus grand. L'organe le plus grand que nous gagnons. Donc, vous mettez là, chaque jour, vous mettez SPF. Nous mettez maquillage, nous mettez mascara, nous mettez tout bagaille ça yo, mais encouragez tout le monde qui a écouté nous là. Tout ça va mettre sous nous. Gardez liste de ingrédients. Si il y a paraben, jetez tintin. Si il y a n'importe qui bagaille qui gagne un mot qui gagne pas PHEN, fen, ou gagne phenoxy ceci, fen cela, fen ceci, ou bien oxy, OXY, oxybenzone, donc c'est fen Benz at oxy. Depuis les gars, j'étais tintin. Ou par contre, c'est genre très facile qu'on a ça. Il y a deux apps que nous avons download qui est gratuit, qui aide nous en pile. Une relais, Dirty
Dirty Living. Yon wè, et puis l'autre là c'est ouf, oublié de deuxième là. Ma baoul pour nous mettre. Mais pour ça ça fait qu'on y a tout produit que m'gagne en météo dans app là et puis lui montre un produit regardez tête moins chaud pas pour manger tout vivre même si moun moi dit oui papa fatigué ou parler de toxique mais obligé parler de lui. Mais c'est vrai parce que ça n'a vive qu'on y a là. Donc surtout m'a regardé de série de jeunes petits garçons, jeunes petites filles qui a mettre en pile produit sur yo m'pa konn sou réclame ça aux États-Unis. Gon parfum, y a mettre yo mettez pas yo mettez yo spray parfum et puis jeune garçon senti le vent yon kounya le calpa. Ou pa konn sa grand parfum, EDCs, chemicals, descend testosterone. Et puis y a poussé tout ça. Y a poussé tout moun utiliser bagay ça kounya nan 20 ans les ti moun lan gen problème dépression, les pri moun lan gen problème et tout bagay ça. Ki sa gen problème bon. Bon problème bon lan ça son bagay. Faut nous parler de ça. Ah ouais. En 1992, c'est première fois yo sorti avec Viagra. Donc heureusement garçon content et puis bon bagay qui pour aider yo. Mais kounya, bon compagnie, m'pa konn si nou wè compagnie ça, bon compagnie les Hims. H I M S. Donc son compagnie, son tinèk 25 ans qui forme compagnie, hein, yo fait al et public là, yo évalué à plus de 2 millions de dollars où monsieur fait premier réclame il y a 2 ans de ça après pendant Super Bowl. Monsieur dit mon cher, j'ai 25 ans, j'ai commencé un problème bon, j'ai pas voulu aller au docteur. Donc mon cher, j'ai créé une plateforme et télémédecine côté on est relon docteur, ils font visite comme ça avant et puis nouveau va à la caille. Average l'âge de monde qui utilise ça entre 25 et 30 ans. Jean Dolan, il saute fait 2 billions de dollars de profit. Alors vous voulez dire que pas un problème bon sur la terre. Gen de l'autre nèg qui gen trois bon oui m'a pas dit non c'est ça un pile nèg et malheureusement pour garçon son sujet qui très difficile dans son parler de ça son bagay que ou comment par exemple qu'on a dans de série de fêtes et puis là yo tande ça me fait tout le monde yo pas parler regarde à côté bon nèg qui dit doc non pas parler fauche donc parler de typique ou qu'on bail là non vous comprenez donc moi même qui ça rôle moi aujourd'hui hein premièrement m'voulais mettre en lumière sur problème ça légitimiser problème ça pour me dire comment ça passé sous gain ça OK moi même monter sous tes sociaux à l'âge de 48 ans c'est là ça que me senti mon chemin tap travail tête m'était bien mais gros moment me senti garder sans extrême sur travail moi veux entrer la caméra que mon papa là avec dès même commencer vivre nous petit gens comme si pas gain même relation avec petit monde moi petit gens qui t'aime au repos dès même de temps en temps mon petit gens fâché pas même personne là même gens tout vigueur sexuelle mais pas même genre ça veut dire mon cher si on est dit que à 50 ans gain même vigueur sexuelle à 20 ans c'est deux bagailles c'est soit bail menti soit pas fin trop bon à 20 ans c'est deux bagailles <ça. rire> donc si on est pas dit que ou pas besoin d'y aide plus même ça commence à arriver même moi-même moi t'ai dit tata ah, non mon cher pas moi-même docteur Hébert va une babe c'est pareil ça mon cher fou mon cher nous sont nèg toujours nous sont nèg poussé nous ça yeah. Alpha mais nous sont nèg m'aimé poussé vous comprenez même vinn réaliser et mon cher m'pa bon menti ça change vim pour qui ça connait me décider que m'a parlé en pile de ça c'est parce que et moi vinn gain ambition moi vinn gain et drive moi vinn gain enthousiasme motivation et pour partager avec le monde et c'est pas moi seulement aux États-Unis heureusement grand pile gros docteur gros pionnier you know gros mentor moi je connais le docteur Abraham Morgenthaler je sais un urologue Harvard dans aimer que n'importe qui monde qu'elle attendel parce que je dois dire mon cher ça Haiti Rudolph qui a parlé là pas connait nèg ça l'aime je suis parlé de ça monsieur premier qui j'ai que monsieur t'ai fait premier bagage premier et contact avec testostérone. Et ça, son gros étude qui se laisse à montrer. Ils font étude côté, ils prennent une série de crapauds qui étaient non lac, qui étaient contaminés par DDT. DDT, c'est une nabaye qui pour aider les que nous utilisons toujours en Haïti. Oui, en effet. Et puis, aux États-Unis, qu'on n'a pas utilisé encore. Et puis, avec un pile de ça, de plastique. Donc, monsieur, ouais, concentration de toxines, ça y est. Et puis il fait deux études et puis il compare avec un autre lac côté pas bien toxine ça yo monsieur ouais dans lac ça en pile dans crapaud yo te vinn mal yo vinn tourner en femelle tout ça par rapport à estrogène baisse de testostérone là donc ça pour garçon nous même nous pas tourner fille non
Mais ça veut dire que la testostérone la descend ou pas aussi tout très masculin. Yeah. Un bagage que nous pourrons parler à soi, définitivement, un bagage que y aurait l'eau masculinité toxique. Ça veut dire que trop testostérone là, définitivement, c'est pas là que nous voulons tout. Mais dans la vie, c'est la balance. Qui j'ai pour jouer une balance? Alors, moi-même, une question qui vient dans la tête, moi, c'est que, bon, moi, je comprends pour traiter le monde pour équilibrer le niveau testostérone, mais que, bon, je ne sais pas qu'on est qui j'en fais, ou parler de injection, etc. Question, Pam, c'est est-ce que ou bien ou connaît un traitement qui t'a capi naturel, qui t'a capi accompagné le monde et d'un fait hormone, ça y est, rééquilibrer et ou bien niveau testostérone sans y pas obligé passer par des traitements synthétiques. Monsieur, c'est son traitement qui gagne plus long tout, mais est-ce que ça existe? Oui, c'est sûr. Donc moi-même l'aime mon patient. Premier réflexe, mais c'est pas pour mal sous médicament. C'est pour ça que me dis que progression j'aime hein? C'est ça qui vient mettre là. Premier bagage, c'est nutrition. Premier bagage, c'est manger mieux. Éviter plastique, éviter manger et qui gagne pile processed foods, qui vient manipuler pour l'homme en pile. Éviter produits chimiques et pas manger junk food, manger et manger organique, real foods, manger qui vrai et éviter tout depuis tout son bagage qui arrive non bagage en plastique ou bien en boîte, ou pas supposé manger ça. Donc premier bagage que me fait, mais c'est retirer toxines le plus que possible. Deuxièmement, me fait un bilan de sang général pour me garder est-ce que sucre est-ce que thyroïde là bon et puis grand pile supplément qu'on monde qui prend qui pour aider avec ça tout même supplément qui pour aider avec et fondation de testostérone là par exemple ginseng aider en pile et yo gagne on ba que l'autre tribulus donc c'est une herbe chinoise qui aider en pile avec bagaille ça yo et mais malheureusement la réalité c'est que du temps que monde ça gagne temps relé yo essaye en pile de bagay ça. On pas qu'on soit online pour garder quantité de testostérone boosters, natural testosterone boosters qui gagne, c'est la trier yo online. En gros industrie. La majorité là-dedans yo, yo pas marché trop bien. Donc moi même pour sûr, mais c'est éviter toxines, mais c'est faire mon homme perdre du poids, essayer une bonne santé métabolique qui mieux parce que c'est santé métabolique là ça veut dire que faut cholestérol ou mieux, faut sucre en forme, faut thyroïde en forme, faut manger bien, faut faire exercice, faut prendre bon supplément ou prendre oméga et oméga 3 ou prendre bon supplément ça. Donc moi fait toute bagaille ça. Okay. Malheureusement, si nous fait pas toujours c'est connir que nous vienne une discussion. Est-ce que pour nous faire ça? Par exemple, donc descente de testostérone que nous relé là, même jamais dames yo faire ménopause, pour garçon li relé andropause. Donc pour fille, son bagage contingent plus li beaucoup plus facile pour faire diagnostic ça parce que pour mesdames yo nous connaît une fois que yo pas gain règle encore, yo fait ménopause. Garçon pas gon bagage qui aussi clair que ça. Pour mesdames yo, les mesdames yo viennent faire ménopause kounyen. Ça sont l'autre gros problème aussi encore et c'est pas juste que pas senti yo bien que mesdames yo viennent changer caractère sous nous, mesdames yo viennent beaucoup plus irritable même jeune garçon qu'on gagne yo, c'est pas ça seulement. Étude yo très claire. Donc, yo fait sorte font dernière étude là. Yo gade 1800 garçons. Et puis, yo gade le taux de testostérone. Yo, et puis, yo vin font, yo suivi yo pendant plus de 5 ans. Donc, testostérone toa, l'elle descend à un certain niveau. Et testostérone normal, c'est de 300 à 1200. Ah, donc, c'était question, Pam, justement. Oui, de 300 à 1200. Donc, c'est son range qui est très vaste. Un gros range. C'est difficile pour faire. Oui, et majorité nègre, on gagne 18-20 ans, nous pas checker côté testostérone. À l'âge ça, ou tapant peut-être 1000-1200 dans style de zone. Okay. Donc, yo font étude côté yo, l'orgue testostérone moins que 350 dans un garçon, taux de crise cardiaque ou monté plus de 3 fois. Taux de diabète ou monté plus de 5 fois. Taux de dépression monté plus de 8 fois. Donc, ce n'est pas juste que ou pas sentir ou bien, que vous avez une bonne, que vous avez une dépression. C'est un théo. Vie ou dépend de ça. Pour mesdames, qui le mesdames yo gen plus chance pour yo gen crise cardiaque? C'est après ménopause. Qui le mesdames yo gen plus chance pour yo gen fracture et tout bagaille ça c'est par l'influence du testostérone et de l'estrogène. Donc wow, ça veut dire dès où on perd du hormone, c'est pas juste qu'on passe en tout bien, c'est pas juste qu'on grossit, c'est la santé et la vie. Donc, testostérone, l'autre testostérone, il y a même lié
que l'eau testostérone et augmenter le taux de mortalité. Espérance de vie, espérance de vie baissée. Exactement. Donc, ça veut dire que vraiment, dans un monde parfait, ce n'est pas pour ta balle testostérone, non, non, c'est pour ta kembe testostérone naturel nous plus longtemps. Exact. Malheureusement, nous tellement de mauvais bagailles qui ont crasé nous. Par exemple, cell phone, non, tout. Tout tout on ça, il agit sous pituitary, comment on dit en créole, sous gland pituitaire. Gland pituitaire, yo, c'est là qu'il faut un message là pour faire testostérone. Donc il y a pile études et pas oublier études ça est très difficile pour faire. Même gens que il prend plus de 30 ou 40 ans pour yo venir découvrir que fumer causer cancer, c'est même côté que nyeri là. Pour moi, dans 20 ans, tout ça que m'a parlé là, c'est pour nous faire commun. Mais Kounien, nous, pour qu'on connaisse, nous, juste, ouais, conséquences. OK. Nous, il y a deux questions. Deux, trois questions là, oui. Mais il y a une question qui m'a dit comment radiation, au traitement de radiation pour cancer de la prostate, qu'a affecté niveau testostérone au monde? Oui, bon, mon cher, ça c'est une très belle question. Parce que, plus gros problème et puis gros peur que nous gagnons, les nous ba un garçon testostérone, c'est est-ce que nous cavine causer cancer de prostate. L'aime dans l'école University of Miami Med School dans les 1991 à 1994, nous même yo dim pa bay mon testostérone parce que c'est comme si qu'on va laguer gasoline sur du feu. L'on bay testostérone sur cancer de prostate. Étude ça son étude qui fait en 1941 par un docteur Huggins, c'est trois patients que monsieur ouais que li wè lè ou te ba ou te sosye wè, yo vin gen kanser, et puis li vin un dogma dans la médecine que tout moun pense jusqu'à présent, tout monsieur, tout docteur tal l'école l'époque ça, gen même pense ça. Étude yo vin complètement à l'opposé de ça. Testostérone pour sûr pas causer cancer de la prostate. Youn nan traitement, pour que ça nous pense ça plus, parce que youn nan traitement cancer prostate, c'est que yo ba ou sa rele androgen deprivation. Donc yo bon, on médication ou médecine qui descend ton testostérone et avec ça il y a vraiment ouais que cancer prostate la descend donc laisse ça nous vient dit oh si nous pas bon testostérone cancer prostate la descend si nous bon testostérone la monter donc ça veut dire que mais encore docteur Morgenthaler dans Harvard Medical School avec toute l'autre latrier et scientifique vient ouais que testostérone pas causé cancer prostate. Au contraire, l'organe l'autre et testostérone qui bat, il vient bon risque pour une forme de cancer qui est plus agressif. Wow. Okay. Donc, les cognons viennent faire radiation de prostate. Là, depuis qu'on vient des problèmes de prostate, le plus souvent, bon lien avec. Malheureusement, une fois qu'on développe le cancer de prostate, il est très difficile pour joindre testostérone. Mais encore, Dr. Morgenthaler avec Harvard, avec NYU, tout bon gros université sa yo kounye, même nèg ki gen cancer prostate après que yo vin en rémission 3 ou 5 ans après kounye yo mette nèg sou testostérone et yo pa wè yo wè que qualité de vie moun nan vin améliorer. Il y a pile moun ki gen cancer de prostate parce que cancer prostate c'est un bagay qui très commun. Le plus souvent on garçon gen doit gen cancer prostate et puis yo mette sou sa que yo rele observation seulement. Donc yo juste ab suiv monsieur et puis yo juste suiv PSA régulièrement. Ou connaît que kounyan yo montre que en pile garçon qui sous testostérone cancer n'a pas avancé. Donc ça m'a parlé là par exemple moi même et depuis on nèg cancer de prostate mais référé à une université pour le un gros urologue pour le faire ça. Très bien. Mais étude très clair kounyan que lien entre cancer de prostate avec testostérone j'en dépense là pas là encore. Mon cher, qui moi le bon on étude parce que encore m'bave les moun penser que dit ah mon cher ça ti nèg zagain la vinn parler là ça monsieur connaît Mayo Clinic ou connaît Mayo Clinic c'est oui, une c'est institution qui est plus conservatif et les plus renommée aux États-Unis nèg yo té en 2015 yo font consensus international té vinn gen 18 scientists de l'Europe et des États-Unis parmi lesquels docteur Morgenthaler qui dans Harvard yo metté 18 scientists docteurs et PhD tout nèg sa qui gardé toute évidence toute littérature toute science qui gagne sur testostérone là et puis yo vini avec 9 statements 9 phrases youn la dedans c'est que testostérone qui bas son problème global testostérone qui bas causé un pile problème non seulement
au point de vue énergie, ben les causer problème et cardiovasculaire et diabète j'aime dire là. Testostérone pas causer cancer prostate. Il y a 9 phrases comme ça que vous mettez. Déclaration. Ça remet que n'importe qui monde qui peut-être bien de doute quand même, yo met à regarder sur internet ou mettez Mayo Clinic International Consensus on Testosterone Replacement. Et puis là-bas, tout ça. Très bien. Alors, bon monde qui m'a dit là, qui différence, alors comme son question en jeu technique, je suis posé, entre free testosterone et total testosterone? Ça, très, très, très important. Donc, et total testosterone total, là, donc c'est ça qu'on fait, c'est ça que majorité de docteurs ont checké. Donc, c'est lui comme qui en 300 et 1200. Et 1200, OK. Mais ce n'est pas lui qui tout bagaille. Testostérone, dans l'aile ensemble, il est attaché à une molécule, en protéine. Donc, on compte bien de ce patient qui vient nous-mêmes, il y a eu le premier docteur, il a checké testostérone total seulement, il disons 500. Okay. Donc, il a dit, là, mon cher, pas mal. Là, il vient nous même checker testostérone total avec testostérone libre. Ça veut dire que c'est 2% de testostérone là, qui n'est pas attaché à la molécule, ça, et c'est testostérone libre là, qui est actif. Donc, il y a un pile patient qui a peut-être 400 ou 500 de testostérone total. Mais testostérone libre, yo, normal, non, c'est de 5 à 30, ou ça à 4, il y a 5. Okay. Donc, ça veut dire que gain c'est très important. Déséquilibre. Très bien. Déséquilibre, mais qui passe seulement mon trop par testostérone total. Très bien. Ça, c'est une très belle question. Mais c'est une question qui est un peu technique. Ça veut dire, l'on passe, si on dit, doc, que c'est total, que c'est libre, moins pas bon. Très bien. Excusez-moi, on bagaille, m'a dit très rapidement. L'on est gain l'autre testostérone, en pile monde, parle d'un bail que les testostérone shaming. En pile nèg pas voulu admettre que yo gain ça, parce que ça veut dire que ou vin vulnérable, ou montrer que, ah mon cher, ou bien on a gardé, ou qui dit, ah mon cher, regarde, monsieur, sous testostérone, parce que je ne suis pas bien bonne. Moi, je voulais retirer stigma ça, que testostérone là, c'est seulement un hormone sexuel que lui. Yeah. C'est un hormone jambe qui va parler rapidement de testostérone avec le cerveau. Testostérone, côté récepteur testostérone le plus abondant, c'est dans les muscles, dans les organes sexuels et dans le cerveau. Au compte sa testostérone fait dans le cerveau, il augmente le taux de sérotonine, qui c'est une hormone qui est plus important pour et comportement, pour mood, qui est dos avec dépression, et il aussi augmente le taux de dopamine. Dopamine sont l'autre d'un neurotransmetteur qui fait nous. Parce que, pas oublier, nous-mêmes comme animal, qui gens que nous avons relation avec le monde externe, qui gens que nous ressentons le monde externe, c'est par les hormones. Donc, si hormones nous pas là, ça veut dire, c'est pour ça, en pile de garçons, bien même de filles, les testostérone, yo bas, yo dou ça, yo dou, mon cher, un y est pas bon plaisir dans la vie encore. Là, ça, c'est dopamine là qui bas. Exact. Donc, en pile médecin généraliste, l'on patient rêvé comme ça, et puis il dit ça, il dit, ah, moi j'ai une dépression, mais on t'iso l'offre, mon petit Paxil, mon petit Prozac. Tu dis comment ça a tellement d'effets secondaires qui pas bon, c'est pas supposé premier bagay qu'on a là-dedans. Mais pipi, tu changes nutrition, descends et toxino, et si nous besoin, on remplace tes soucis. C'est ça. Alors, ça mène à une question. Ou parler de remplacement de testostérone. Pour qui ça nous pas dit augmentation, injection? Pour qui ça nous parler de remplacement? Je ne comprends pas ça. Parce que remplacement, exactement, c'est parce que si on est venu à côté, par exemple, quand pile nèg qui vient dire, mon cher, doc, check testostérone, moi, parce que j'ai un ami qui fait le just check it. L'aime pas laver le commencement. Je dis, doc, mon forme, oui, même. Just check it niveau à moi. J'ai deux patients, moi, comme ça, niveau, oublié 300 à 1200. Il y en a peut-être 350, 400. Et puis, me dit, oh, ou même 350 ça bon pour vous, ou pas besoin plus. Vous comprenez? Donc ça veut dire que quand il y a un nèg qui vient qui a symptômes yo que tes testostérone en bas, ça veut dire que parce que m'a remplacé et c'est là que gon distinction très importante. Bum, c'est que m'poté testostérone là à niveau que toi t'es gagné lors t'es jeune. Okay. Tandis que nèg a comparé là avec deux séries de monde qui utilisent testostérone for bodybuilding, nèg qui fait sport, nèg qui besoin ou nèg ça. Gen série de nèg ouais, c'est stéroïdes que yo prend qui pour mettre avec musayo. Nèg ça yo, yo mette niveau testostérone yo à 5000, 6000 et c'est là ça agression qui doit arriver. C'est là ça on vient get tout effet secondaire
de testostérone. Le gomba yo le roid rage, steroid rage. Donc l'autre testostérone là, niveau ça, donc il n'est pas au niveau médical encore. Donc c'est pour ça, aux États-Unis, il y aurait le testosterone replacement therapy, TRT, because nous remplacer sorte gain. Pas besoin de plus. Okay. Juste okay. Remplacer sorte gain. Ça manque. C'est intéressant. En va. Très bien. Alors, il y a une autre question qui vient, mais c'est pour Fi. Et il y a un monde qui a demandé, si la féminopause, est-ce que tu as suggéré ou tu as encouragé hormonothérapie pour femmes pour la ménopause? Et si oui, sur quelle durée de temps? Très, très, très important. Donc, premier, ça que je vais apprendre, comment c'est fait ça, je vais apprendre que j'ai pour me faire et hormone et remplacement d'hormones pour les femmes. Je n'ai pas pratiqué ça encore. Donc, dans la clinique, nous avons un docteur qui sont une fille, une dame extraordinaire. C'est lui qui occupe mes dames. Je vais occuper les garçons. Mais, pas de mentir dans ça, que une fille, elle fait ménopause et tout, elle a besoin d'hormones. Parce que je m'explique, là, qui est-ce que fille a commencé à avoir un problème cardiaque, problème et de, avec Zoyo, problème, il n'y a pas qu'à réfléchir même genre. C'est après ménopause. Donc, il y a une étude en 2010 qui sortit, c'était WHI, The Women's Health Initiative. Ils ont fait une grosse étude, côté ils ont pris plus de 10 000 mesdames, et puis ils ont bio hormones, et puis ils ont vu que, oh, mes hormones ont augmenté le risque de cancer et augmenté le risque de crise cardiaque. Le ça, ils ont retiré toutes mesdames net sous hormones, et puis le ça, c'est peur de ça. Ou par contre, qui hormones ont été utilisées le ça? Hormones synthétiques. Qui est les prémarines, prempro, que vous faites non lab. Donc, ça veut dire que Kounia, depuis 2010, vous avez un paquet de mesdames sous ça, un bagay qui était des mesdames en pile. Vous avez fait une révision de études, ça, que vous dites, c'est pas hormone là, pas bon, non? C'est hormone synthétique là, pas bon. C'est estrogénique qui est trop fort. Et encore, pas oublier ça, nous dit, laissez hormone synthétique, il n'y a pas de même balance là, avec ou hormone, ça, ou l'eau bio-identique. Bio-identical hormone replacement. C'est exactement la même formule chimique que ça qu'on fait, donc qu'on reconnaît. Donc, mais là, pour un bagage qui est synthétique, il n'est pas là. Donc, si je réponds à une question à dame ça, qui m'a dit ça, oui, 100%. Depuis qu'on passe dans la ménopause, il faut jouer un docteur qui a fait vraiment aider bien, fait tout test, garder tout risque, parler avant, fait test sans yo, et mettre son programme de hormones bio-identique et ou rete sous lit. Ou ap gade de série de mesdames kounye, mon cher, ou dame qui parle en pile de ça. Suzanne Somers. Li écrit en pile livre sous ça. Par contre, si nous, elle, Suzanne Somers kounye a 75 ans. Li frekonze zwa. et li même, li commence à parler de ça. Son dame que mal ou elle en pile nan pile conférence que malé. Parce que l'elle t'a parlé de ça. Même moi-même, moi dit, ah, mon cher. Dame, ça fou. Le sal t'a parlé avec un paquet de gros docteurs, même moi-même, je ne peux pas comprendre ça. Je t'ai gardé avec un pile de doutes. De doutes, hein? Le sal, continue à faire études, continue à aller en conférence. Parce que je dis, et étude WHI là. Et puis, docteur Sabdou, ou pas éthique, mais ça, mais on l'autre étude qui fait, mais li. Mais pour mesdames, il y a un petit genre plus compliqué. Garçon, nous juste besoin de testostérone. Fille, il y a besoin de balance de trois hormones. Testostérone, estrogène avec progestérone. Mais l'homme était toute balance ça, toute hormone ça en balance. Ouais, vivre une belle vie. Parce que ouais, un bagage qui est très important. On aime très pousser surtout sur le sur mindset, sur façon de penser. Façon de penser. Mais Jean Dolan, biologie dépasser psychologie. Pas besoin qu'on ait même sous son une religieuse qui a prié toute la journée, qui est plus belle. Et façon de penser, positivité, gratitude. Les hommes nous parlent, regardez, frère, ce n'est pas même genre à pied. Ah, mais au niveau méditation qu'on fait, qui a scientifiquement prouvé qu'on y a, qui rééquilibre les hormones et qui permet aux hormones de travailler et tout. 100%. Ah. Donc, on ne sait pas qui gens qui ont fait ça, ils ont de faire les functional MRI. Donc, ils font MRI, donc ils mettent les gens dans une série de. Et ils prennent pile les gens qui font méditation. Et puis, ils regardent. Yo gade que mais faut arriver non niveau vraiment oui oui mais l'impossible non l'impossible mais le l'homme ou la femme commune tous les jours il pas facile pour arriver là mais là on fait MRI fonctionnel ça
Donc, yo montre au monde qui ka rive dans méditation ça ça m'a dit qu'on rive dans union interne dans la religion chrétienne, yo relo que tu es dans la béatitude de Dieu. Donc, yo prend de série de prêtres, yo prend de série de bouddhistes et puis yo fait religion ou bien que prêtre la fait de prière très très fort et yo ouais que dans MRI ça vinn gen on descend de lower level of blood flow, donc gen moins et poussé sanguine dans de série de parties de cerveau, yon qui c'est amygdala qui c'est côté que ou gen pile de peur et puis que ça descend et puis côté qu'on senti union hein, sans monter dans ça. Donc ou qu'arrive là par méditation ou bien qu'arrive là testostérone la montre que fait ça ou par contre l'autre bagaille que me pousse en pile là dans kounia la médecine psychédélique. Par contre si on commence à de ça nous t'ai parlé de ça. Donc kounia il y a deux médicaments magic mushroom psilocybin avec un MDMA et même medical marijuana. Donc il montre par functional MRI que il vraiment ca fait de lui affecter partie cerveau ça. Donc pour moi même comme scientiste me remet ça parce que l'aime détendre au monde dit ma mon cher par méditation qu'a fait tout ça. Me dit ah, mon cher t'entends moi parler là. Mais kounyan l'aime MRI functional MRI qui montre il montre au monde qui fait méditation avec au monde qui fait ça, c'est même bagaille là. Me dit mon cher li bien. Sou qu'arrivé par méditation. Très bien même compliment. M'ta remet arrivé là mon. Me fait en pile méditation, me fait en pile. Nous connecter, suivre nous connecter. Connecter. Mais pour moi, c'est l'union des deux. Donc tu as besoin ou besoin psychologie hein, mais en pile fois biologie hein, si biologie en parle difficile. Et que pas dit que ou 100% besoin biologie hein, non, mais l'envie de mettre toute toxine ça et l'or pas gain tout monde qui a vraiment arrivé dans ça. Des fois, besoin de push, besoin de aide. Définitivement. Alors, une question nous gagne qui est important que nous avons. Alors, par contre, si il y a une autre question du public, mais avant d'aller dans ça, on a besoin de demander qui ça qui processus. Donc, on nous dit que justement, comme on dit, on passe en vina caillou et on vient déterminer après test que les besoins traitement. Expliquez-nous un petit peu ça traitement. Je suis grand monde qui coule. Moi, par exemple, un garçon. Et yo vin wè malheureusement wè pour qui ça m'a fait ça vraiment c'est pas que me besoin que tout le monde vienne wè comme médecin non parce que m'ai pas assez vraiment oui. Très 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 occupé ça demain ça m'a fait hein. Mais mission c'est que m'envie parler de ça pour éduquer non seulement public là pour m'éduquer en pile dans docteur on t'a remis en pile docteur à prendre même certification que m'ta le faire gain deux gros organisations une relé A4M American Academy of Anti-Aging Medicine et l'autre ça me fait et MMG Age Management Medical Group. M'ta remé que l'autre docteur a commencé à dans ça yo, al sur YouTube, al tande bagaille ça yo parce que quantité monde qui pourra le besoin traitement ça et j'en montre là son bagaille qui pourra venir empirer oui. Encore plus. Oui. Nous besoin en pile monde qui comprendre ça qui ca aider public. Yeah. Mais kounya pour me retourner à question là, les monde vienne joindre moi. Premièrement et m'pa prend assurance encore parce que l'aime te compte prend assurance. Aux États-Unis, il y a 15 minutes pour un patient, pour un malade. Ça qu'a faire 15 minutes à un monde. Donc, je ne prends pas assurance encore. Donc, l'homme vient, je me chita, je prends le temps de nous parler. Donc, je fais un bilan médical complet. Je prends histoire, côté courrier, qui j'ai courrier. Nous faisons test sans yo. Je regarde côté arrivé. Et puis, je viens voir un assessment. Je viens voir une position. Mon cher, mets ça que moi. Je vois tout ça que moi. Et puis, je viens voir des solutions. En pile fois j'aime dire la nutrition c'est une bagaille qui est plus important yeah. Mais quand on sim vinn wè que gon débalancement hormonal en pile fois m'gen doit commencer pour dire OK mon cher on essaie ça on garde côté rapide dans 3 ou 6 mois si nous wè que li là toujours et puis quand on nous discuter est-ce que ou sont bon candidat pour testostérone testostérone nous gen différents gens que nous baili et par injection par crème même vinn gon ti pilule qu'on mette en bas langue kounya m'pa konn si nou wè sa dan pile kounya y a fait ça les pellets therapy pellet là c'est un ti les gros sont ti un ti grain duri qui gen hormone yo mette par un ti opération bon zone derrière et puis yo mette en bas pour et puis li relâcher hormone graduellement de 3 à 6 mois donc tout ça l'outil gens plus facile. Donc, il y a un pile de gens qui ont fait, mais ça, c'est vraiment une conversation
personnel, one-on-one, chaque monde différent. Que, donc, ça, ce n'est pas vraiment... Il est difficile pour me faire une peinture et générale. Donc, ça, mais c'est grosso modo qui j'appelle. Et puis, alors, le plus important, moi, suivre patient régulièrement. Donc, moi, suivre patient. Moi, faire un pile clinique virtuelle. Moi, faire test chaque 6 mois. Moi, suivre, nous parler. Okay. Donc, ce n'est pas juste... Prends ça, par exemple, médecine traditionnelle, qu'on médecine, on médecine très patriarche. C'est mais bon médicament ça parler m'a encore dans un an. Très bien, très bien. Alors bon monde qui te pose une question là que moi qui allait bien avec ça ce dit nous là, mon on t'a dit ou t'es parlé de remplacement niveau testostérone pour remettre le plus ou moins à niveau que le était jeune. Est-ce que ça veut dire que ou connaît niveau mon on t'a le était jeune. Si on monde jeune gagne 50 ans. Non, et malheureusement nous pas gagne personnellement okay, et c'est okay. Juste on baille pas épidémiologie, nous connaît plus ou moins, par exemple, qui gens qui ont déterminé qui niveau testostérone supposé. Nous avons deux laboratoires aux États-Unis qui piquent au laboratoire. Quest avec LabCorp. Mm-hmm. Nous connaît que en l'an 1995, testostérone normal était de 450 à 1400. En l'an 2007, il y a une descente de 300 à 1200. LabCorp connaît un testostérone normal, c'est 215 à 910. Ou par contre, ou contre qui j'en que yon prend la normal, yon prend 10 000 moun, comme si normal de tout l'âge, et puis yon prend moyenne testostérone. Parce que testostérone, tout moun ap descend, donc koun yon soual non là, par exemple, ça arrive en pile, pour moi, pas peur, gen de moun, côté yon senti yon garçon, côté yon senti yon mieux, c'est testostérone à 1200 mais 1400, gen de l'autre moun, yon senti yon bien à 800. Donc chaque moun différent, donc chiffre pas exactement là, parce que qui ça qui est important? Testostérone dans le niveau là, mais qui j'ai que le fait action, l'ibvin contrer avec récepteur testostérone là, qu'on y a l'ibvin action ça, et puis l'ibvin former protéine qui pour bon action biologique. Là. Donc, mm-hmm. Nous pas qu'à mesurer action de récepteur testostérone là, avec testostérone là. Donc, c'est pour ça que des fois, moi, de patients qui viennent, taux de testostérone, il y en a 500, mais il y a tout symptôme. Donc, ça veut dire que yon bon résistance à testostérone, ou bien son monde que peut-être lè ou te gen 20 ans, testostérone nan te à 1400, si yon passe de 1400 à 500, yon gen symptômes. Pas qu'à prouver, même qu'on est que moun nan dim li pas sentil bien. Yon bon questionnaire, encore, et moun yon capitaine de nou la kal gadel, lire le Adams questionnaire, ADAMS. Donc, son série de mkwè 12 questions. Que ou rempli ou garder l'online, c'est ça que nous utilisons. Et puis, libre, qui possibilité qu'on ait un problème hormonal. Okay. Donc, l'envi nous fait ça. Moun l'an checké tout bagaille ça. Et puis, moi, niveau testostérone n'est pas adéquat. Mm-hmm. Ça veut dire que n'y a pas besoin de passer ligne rouge de 300, oui. Non? Ça veut dire que n'y a pas assez pour. Pour qui ça? Est-ce que c'est pesticide? Est-ce que c'est plastique? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est maladie? M'a pas qu'on est. Je ne pas avoir cause là. Mais moi, et faire. Et j'aime dire, là, l'on a parlé de ça, c'est un bagage qui est assez effrayant. L'on nous parle que toxine, que n'importe qui s'accouffe, presque pas qu'à protéger tête ou de ça, et que n'a dit que l'an 2045, le taux de sperme va presque à zéro, c'est très effrayant. Très effrayant. On aimerait finir avec un message de hope, un message de positivité. Oui. Si ça arrive, cherchons docteur Kaido. Souvent, le docteur qui dit, doc, je ne me sens pas bien. Et puis, il dit, ah, mon cher, ça a une tête ou c'est stress. Cherchons l'autre docteur. Parlons l'autre monde. Cherchons naturopathe. Vous connaissez naturopathe, c'est le monde qui fait un pile bagaille avec. Moi-même, je suis très poussé sur la médecine complémentaire. Ce n'est pas juste que la médecine alternative, non? Parce que pour moi, ce n'est pas une alternative. Ou complémentaire. Très bien. Très bon, très bon. Moi, j'aime ça. Donc, mais. Vas-y. Je m'excuse. Non, allez. Non. C'est pas c'est moi là, c'est en vitesse ça et que tu as question tellement intéressant. Alors, bon monde qui m'a dit est-ce que qui influence écran, téléphone, tablette ka gen sou hormone en général? Ça c'est une très belle question, même genre, c'est une science qui fait commencer EMF radiations. Yo connaît parce que vraiment li agit et côté là agit vraiment. C'est sous glande pituitaire. Là. Glande pituitaire, là, c'est mettre glande. Yo. Parce que c'est lui-même, nous, genre derrière le cerveau, c'est lui-même qui contrôle les thyroïdes,
C'est lui-même qui contrôle les testostérone, c'est lui-même qui contrôle les ovaires. Donc, il contrôle en pile. Donc, et tu nous fais comment ça a sorti là, que tout on sa yo. Et l'on a regardé mes amis, si moun nous depuis l'âge de 6 mois, qui nous pas gagné babysitter encore, non? Ou la gon iPad non même. Et pour être si moun nan comme ça, si moun nan télévision, téléphone ni tout le temps là, yo gen AirPods, AirPods nan chita nos oreilles tout le temps. Bluetooth. Donc, ça veut dire que nous pouvons gagner réponse pour tout ça, non? Et scientifique, yo fait comment ça a fait étude, non? Mais j'aime dire, c'est même rien ouais, que nous dans même côté. Aaron Brockovich, côté yo dit que et oublier que toute industrie fumait, toute industrie tobacco, yo te dit non mon cher ça c'est un sébaï, ça va causer cancer du poumon. Il prend presque 40 ans pour nous arriver là. Donc c'est ça que m'a dit que n'a font étude que y a fait sous l'humanité kounye, que n'a plagué tout et rayon ça, n'a plagué tout produit chimique ça. Et puis, nous ne connaissons pas côté ça pour aller. C'est dans 20 ans, 30 ans, nous ne connaissons pas. Seul ça me connaît, c'est que l'humanité est en danger maintenant. En pile, nous avons souffert. En pile, tout. Regardez, nous n'avons jamais eu de gym comme ça aux États-Unis. Nous n'avons jamais eu de manger organique. Nous n'avons jamais eu de taux de diabète à monter, taux d'obésité à monter. Ou qu'on est connu aux États-Unis, c'est 2/3, ça veut dire 66% de monde qui classifié de overweight. Et puis, à peu près 40 et presque 50% de obèses. Donc, imaginez qui j'en connais pour aller dans 20, 30, 40, 60 ans. Moi, mon petit j'en peux bagaille ça. Non, moi, c'est un éveil de conscience qui a fait. C'est ça. Donc, alors, bon monde qui m'a dit là, qui ça qui est capable de gagner comme effet néfaste si on monte commencé hormone thérapie et puis qu'on y a, alors, replacement thérapie et puis qu'on y a à l'écampé. Oui, ça, c'est très important. En pile, dans monsieur qui vient de jeune, il a toujours dit, mon cher, si je commence à être est-ce que je suis obligé de faire tout de vim? Parce que ça, c'est très important. Encore, on parle dans le thermostat et l'idée thermostat que je dis. Lorsqu'on prend testostérone qui sortit de l'extérieur, ou pas produit testostérone encore. Le corps humain est tellement sensible, une fois que, ouais, ah, je suis prêt testostérone de l'autre côté, je n'ai pas besoin de mettre plus testostérone moi-même. Donc, il campe production. Mais je regarde l'autre traitement, un traitement que les HCG, ou bien l'autre traitement que les clomifène. Tous les deux traitements, c'est deux traitements qui sont bons pour fertilité. Mais ça que vous faites, vous recommencez production personnelle. Donc, vous travaillez sous glande pituitaire dans les cas montés. Donc, ça veut dire que quand vous mettez tout le monde sous testostérone, très souvent, ça dépend de l'âge, vous avez tout. Vous devez mettre sous traitement ça pour que le corps continue à mettre. Mais exemple que je vais là, par exemple, vous avez une série de nègres qui viennent jouer et mettez sous testostérone. Après un an, vous avez maigri. Yo gen plus mus nan son bagay ki très actif, yo mieux, yo manje mieux. Mwen gen dwa retire sou testostérone nan kounye encore vin fè plus. Mais ça c'est nèg mwen ki ti jan jeune nan trentaine. Mon cher sou nan 45 50 55 ko pa mete testostérone encore. Ça c'est juste l'évolution. Pour se pas oublier que pour qui ça que testostérone là, pa juste garder comme l'homme, comme l'animal. Ça veut dire que tes sociétés là ou jambes là ou vinn pousser pendant puberté ou vinn gain petite et puis après ça le descend jusqu'à ce que ou aller. Donc l'op suivre ton testostérone de tous les animaux, de tout le monde animal, c'est même ça. Puberté li vinn monter et puis li descend jusqu'à ce que petite l'en fait et puis il descend jusqu'à ce que animal l'en mourit. Donc c'est son processus évolutionnaire qui vinn naturel que tes sociétés là descendent. Mais génération nous en kounyan dit mon cher nous I'm not going out like this. M'pa kite tèt mwen ale comme ça. Gade, m'gen 51 ans même, m'pa jam nan meilleure forme que m'gen. Mwen gon six pack kounyan que m'pa gen à l'âge de 25 ans. Mwen gon figure kounyan que m'pa gen nan jeunesse mwen. Et ça veut dire que testostérone là, ça veut dire que le succès de testostérone bon nèg, ça va veut dire qu'on vin gen gros mus, non? Mwen même son nèg mwen fait en plus sport. Donc c'est pour ça que pour mwen li vin bon ça, mais le succès de testostérone replacement thérapie, c'est que doit juste que ou vin gon meilleure relation la caillou. Ou vin un meilleur leader dans le business ou vin vin gon meilleure connexion spirituelle parce que kounyan ou sent ou mieux ou, donc c'est chaque moun ou mieux dans peau ou mieux dans peau exactement et pendant que me fais ça me fait pile coaching tout pour m'aider avec conception avec mindset avec et façon de penser parce que une fois que tes sociétés là me retirer douleur côté gagner me retirer si manque de confiance côté gagner ou sent ou bien kounyon, sent ou vaillant, m'a coach toujours.
Parce que on bagaille comme dit et t'as gagné une question qui t'est venue même les nous t'a fait promo en pile non mesdames yo dit ah tant pri va vinn bay mari me te sosé on t'a aller là la vinn pi mal là chercher fil là chercher bagaille comme ça et sosé on pas fort comme ça te sosé on juste augmenter sorien donc moi le dire un petit genre bay parce que c'est ça que moi fait sous ton asshole avant et pour vinn gagne l'autre sosé on vinn on asshole timide. L'aime beauté sociale, nous venons en assol confident. Mais le gars ne doit pas changer qu'on soit en assol. C'est la coaching, méditation, connexion. Donc c'est pour ça que ce n'est pas genre un grain de bagaille. Testosterone, c'est juste un tour et c'est une méthode, un outil qui pour aider à arriver quand on vient. Nutrition important, exercice important, façon de penser, c'est une bagaille qui est importante. C'est pour ça que nous tous les deux, nous avons tellement en pile. Un pile congratulation pour ça n'a fait là pour n'a essayer monter conscience spirituelle de la société en général et de la société haïtienne qui besoin en pile faut que nous parler de bagaille ça donc ou même ou faire mindset mais moi-même moi venir qu'à faire mindset et biologie et biologie et hormones et balance de hormones donc les kounya nous mettre quatre baillots ça ensemble nutrition exercice balance d'hormones et mindset Bonnet. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'hormones. Ça veut dire que ils ont juste besoin de trois suppléments. Tous les quatre bagages, ça est important pour qu'ils joignent la balance et puis qu'on sente bien ou sente en forme et pour vivre une belle vie. Très bien. Bon, malheureusement, l'heure est arrivée, mais bon, bon, dernière question. Enfin, il y a des dernières questions, mais bon, après ça. Et qui est fait et testostérone dans le cas et positif ou négatif sous thyroïde? Testostérone n'a pas aucun effet avec thyroïde du tout, mais moi-même comme médecin, les m'a évalué au monde parce que thyroïde avec testostérone, il y a beaucoup de symptômes qui sont similaires. Par exemple, le monde a des problèmes thyroïde ou sent fatigué ou sent pas qu'à faire rien ou grossi. Donc symptômes ça est très relié l'un à l'autre et moi pile garçon des problèmes thyroïde tout, problèmes thyroïde affecter et la femme beaucoup plus. Donc ça me plus quitter l'autre partenaire moi ça mais testostérone n'a pas affecté thyroïde là même grand pile patient les moi yo l'aime faire assessment moi moi vois que il y a des problèmes testostérone il y a des problèmes thyroïde c'est ça qu'on besoin comme mettre mais yo n'a pas vraiment gon interaction avec l'autre okay. Et on dernière question qui c'est comment est-ce que combien de temps que traitement testostérone n'a qu'à durer pour un monde qui est diabétique en estimation bien content de parler de ça ouais diabète ça c'est une épidémie qui a tué la société dans tout côté et diabète là c'est ça que le de metabolic syndrome son syndrome métabolique donc il y a quatre bagages qui arrivent dans syndrome métabolique là. Ça veut dire que sucre pas bon que arrive dans diabète ou bien pré-diabète ou bien problème cholestérol tension un petit genre élevé et pour un gros ventre lorsqu'il y a quatre bagages ça yo li augmenter taux de crise cardiaque plus de trois fois la normale. Et risque métabolique, ça a un très gros lien avec testostérone. Il y a une meilleure genre, donc majorité, et une étude qui sortit en 2005, ils font une étude de plus de 1500 hommes et garçons. Et puis, ils ont regardé que les gens qui ont un métabolique syndrome, ça, diabète ou bien pré-diabète avec l'autre, ils ont une chance de plus de 40% d'avoir un taux de testostérone qui bat. Et leur remplacer testostérone là, les vins bon ont sensibilité insuline ou pas gain résistance à l'insuline encore. C'est une pire bon genre pour traiter condition métabolique ça. Donc moi-même l'on nèg vin ouais et pour gain diabète, je checke testostérone. Si testostérone là bas, mettons sous testostérone avec traitement diabète. Regardez en 6 ou 8 mois, ou regardez tout sang, tout bas il va descendre parce que diabète là, son problème métabolique, un problème de graisse. Un problème de qui j'en que de manger et un problème de qui j'en que métabolisme. Donc, testostérone a un très, très, très fort effet pour diabète. Là. Positif. C'est pas blague, c'est pas blague. Alors, on est, nous avons fait commencer par aller, oui, là. Je vais m'exciter là. On va aller, moi, tenir à ce que vous parlez nous de livres qui va le sortir. Oui. Parce que ça, c'est un bah, ou dit nous, nous avons des livres à retarder, mais quand même, nous voulons qu'on aime. Vous vous dites public là. Oui, mon cher, m'a écrit un livre. Encore, qui ça fait m'vinge inspiration avec enthousiasme pour me faire livre ça? C'est l'aime vin sous testostérone. Et puis, me dit son bagage pour me partager. Donc, livre là, m'espère que l'absorbe peut-être en décembre. Livre là, relé, L'OT Generation, No Longer an Old Man Disease.
Donc, on parle de tout ça que nous parlons là. Je mette dans le livre, je vais mettre toute étude que vous avez référencé à ça. Sont un guide pour patients, pour malades. Papa, je ne vais pas les gens malades parce que pour les gens qui sentent que vous avez des symptômes, ça y est. Et m'espérer que son guide pour l'autre docteur qui a gardé tout grand pile livre qui sorti déjà comme ça. Et moi, j'ai vu une inspiration par docteur Morgan Thaler. Mon paquet gros pionnier qui fait ça. M'espérer que moi-même, ma poton l'autre lumière pour vraiment aider moun. Que ou son docteur, que son patient qui cherche une réponse. En pile fois, l'on patient vient nous et puis là, le docteur primaire, le docteur a dit, ah, mon cher, t'es saucé, on toujours connaît que la boire cancer, bien la prêter cœur. Et puis, je vois études pour lui. En sur YouTube, chargez information. Donc, là, sur le website, Medical Health Institute, ou bien nous mettons lien pour tout le bagage. Ce n'est pas moi seulement qui dis, mais le livre pour le condenser en pile de bagage. Donc, je vais espérer que l'homme sorti le livre en anglais, que je traduis tout, parce que je voulais que le public, voilà. Côté me sorti, je voulais que je sois lumière pour là. Même j'aime que je sois lumière spirituelle. Très, très bien. Super. Donc, Medical Health Institute, c'est un website. Ouais. Yes. Donc, pour vous avez une information. Et si vous avez rentré en contact avec vous, qui est plus bon gens pour vous rejoindre avec vous? Est-ce que vous sur social media ou bien sur vous? Je vais commencer sur social media. Je vais faire pile. Et si vous êtes sur YouTube, mettez Dr. Rudy Eberwein ou après un pile podcast que je fais avec de l'autre docteur. Mon message moi te que mettel dans commence mettel juste passion que mettel wè yo m vle ouvrir message moi donc m va le faire social media m va le monter sur TikTok m va le monter sur YouTube parce que m pensais que son message que tout monde supposé tendre et moi même moi wè que m ka prendre série de bagaille de scientifique qui assez compliqué et puis m'essayer bon traduction assez simple. Et c'est ça l'important. Comme médecin m'a kachita là, puis m'a banné un paquet de gros mots, et puis que personne ne comprend rien. Ça ne peut pas servir à rien. Du tout. C'est non, même un traducteur de la science pour arriver à l'individu. C'est ça. Et à ce moment-là, justement, c'est ça, on commence là, parce que Jean, public la répondant, moi, que l'information est bien passée. Donc, mon cher, si le livre est capable comme ça, si le website est capable justement de faire des exemples comme ça, il y a une différence. Donc, encouragez-vous. Est-ce que vous avez songé à venir avec un petit challenge pour la communauté? Définitivement. Et challenge, là, malgré que c'est plus pour garçons, mais tout le monde a fait. Donc, moi, j'ai une intersection de quatre bulles qui sont côté qu'on est arrivé dans la meilleure vie qu'on a vécue. Donc, posez-toi toute question. Pas oublier ces quatre bulles. Je ne sais pas si logo, mais quatre bulles, c'est une nutrition. Qui sont améliorés dans la nutrition? Donc, comme vous voulez que chaque monde prenne un feuille papier, vous mettez nutrition, vous faites premier bulle. Qui sont améliorés? Est-ce qu'on prend un pile d'alcool? Est-ce qu'on prend un pile de sucre? Qui sont descendre? Donc, nutrition. Deuxième bulle, c'est exercice ou bien mouvement. Et là, je me dis, je vais mettre le mouvement parce qu'on n'a pas besoin de faire sport. Même si on va faire la marche, même si on va faire n'importe qui ça pour bike activité. Ça, c'est le deuxième bulle. Qui sort amélioré dans ça? Troisième bulle, c'est balance hormonale. Mais par exemple, garçon ne parle pas à le docteur. Moun parle pas à le faire sang. Faut faire un bilan médical. Gardez côté chiffouillé. Mettez là. Donc, ça veut dire que ou gen doit pas aller, par exemple, challenge que ma banon là. C'est peut-être pas même ouel, non? Mais si vous connaissez moun ou gen diabète, ou faites attention, ou gen thyroïde, cherchez un docteur et doit avec ça. Donc, gardez côté koya. Et puis, quatrième bulle, c'est façon de penser, mindset. Qui ça qu'on a amélioré dans ça? Nous-mêmes, nous faisons un pile dans ça. Qui j'en qu'on a gagné plus gratitude dans vous? Qui j'en qu'on a gagné plus positivité dans vous? Qui j'en qu'on a gagné plus radical forgiveness? Ou quitter ça passé pour nous? Ou pas que bon, rien dans le cœur. Ou coup positif. Donc, imaginez-vous, si vous mettez quatre niveaux ça, chaque, et puis vous essayez d'améliorer chaque un niveau ça. Ça, c'est un bagage que chaque monde est supposé gagner. Et puis chaque 2-3 mois, chaque 6 mois, ou garder côté courrier. Et vous garder qui soit amélioré. Donc, challenge moi pour tout le monde là. Écris 4 bagailles ça yo. Et puis garder, même si vous faites une différence dans yon ladder. Et pour marcher sous chaque, vous garder qui j'en pour lever une vie meilleure. Très, très bien. Très, très bien. Et vous connaissez nous utiliser style de bail ça pour des aspects de la vie. Et nous dit Mounio, bail tête yo, on note. Sous chacune de 4 bulles. Donc, si vous êtes capable d'encourager mon yon, bâtez yon note, ça yon note qui balade là, encore plus pour yon faire un petit effort là-dedans.
Et yo toujours dit ça, même l'homme de qu'on a joué basketball dans Saint-Louis de Gonzague, yo dit sous son nek travail sous faiblesse. Yeah. Moi même son nek m'bat fort dans dribble, m'te qu'on shooté très bien. Tout temps avec entraîner m'continue à shooter. Coach l'a dit m'suspend shooter. Travail sous faiblesse. Jouer côté chifflon ti Jean Piba, travail sous faiblesse. Parce que ça qu'on gagne déjà là, on pas besoin fin entraîner le gars. OK, travail sous faiblesse. Et donc, c'est où qu'a jugé tête tout donc ou pas rien pour cacher tête ou sous pas rien pour cacher tête on rien tête. Voilà, exactement. Mon cher, we did thank you very much. Ça c'était moi d'ailleurs gagne moun ki déjà dit là faut nous inviter docteur en deuxième fois. Donc pour livre là n'a pas nous n'a pas parler peut-être de questions psychédéliques parce que ça son sujet qui sensible moi que et ou connaît yo gen tendance lié bagaille ça à question drogue donc oui. n'a fait différence entre yo donc on croit que effectivement nous déjà paré quoi nous là public là déjà attendre pour nous ta retourner gen docteur Rudolf Ebervan sous plateau nous connecter très bien ça c'était un plaisir extraordinaire et m'a besoin dernier bagaille là nous t'ai parlé de ça Gilbert moi connais nous depuis que nous t'ai l'école ensemble ah oui jodi un frère qui mouri Klaus c'est jour fête li monsieur t'a pas gagné 55 ans aujourd'hui hein. Et garde une coïncidence que m'a fait premier apparence publique moi avec une audience haïtienne et puis c'est jour fête frem donc merci me senti que monsieur là avec me senti que me reconnecter avec pays me reconnecter avec nos compliments de ça n'a faire et me t'a honoré encore que me vienne sur podcast ça. Merci. Mon cher, ça prend un plaisir pour nous, ça prend un plaisir pour la communauté. Merci un pile. Et j'en dis ce que frère là avec vous et que il a pour le guider et que c'est son lumière, son exact, lumière. Exact. Et je vous ça spécial pour vous et moi merci au d'escoté accepter pour te venir sur plateau en soir avec nous pour partager toute connaissance là. Exact. Merci. C'est ma c'est passion Gounia, passion. Où est-ce que m'a parlé deux fois? Oui, oui, oui. On dit ça, on parle trop vite. C'est excitation, non. C'est passion, oui. Il était très bien. Merci beaucoup. Merci donc. Beaucoup. Ça est super. Very merci. Good. Et bonne nuit tout le monde. Nous attendons dans deux semaines sous nous connecter. Bonne soirée. Bonne soirée.